C'est une histoire qui prend naissance dans une grande capitale européenne. C'est une histoire qui débute dans l'un des plus prestigieux musées du monde. C'est une histoire qui rend hommage à la civilisation musulmane. Tout commence en 2003 lorsqu'est créé le département des arts de l'islam au sein du musée du Louvre. Son ambition, valoriser l'apport de cette culture au dialogue entre les peuples. Près de 20 000 œuvres et objets y témoignent de la richesse et de la diversité des créations artistiques. Mais le musée est aussi un lieu ouvert sur le monde et fin 2020, le Premier ministre Jean Castex demande au Louvre de monter une opération nationale pour changer le regard, notamment des jeunes, sur la civilisation musulmane. C'est ainsi que naît la manifestation « Art de l'islam, un passé pour un présent », une exposition exceptionnelle déployée en même temps dans 18 villes en France métropolitaine et à La Réunion. Ouverte depuis le 20 novembre 2021, elle s'achèvera le 27 mars prochain. Il s'agit en fait de faire passer quatre messages simples. L'un, c'est montrer que l'islam comme une civilisation est faite de multiples cultures et que ça n'est pas que la culture arabo-musulmane, mais qu'il y a l'Iran, la Turquie, l'Inde, par exemple. Montrer aussi que ces objets que l'on appelle des objets d'art islamique peuvent être autant profanes que religieux. Et quand ils sont religieux, on peut montrer le prophète, contrairement à ce qu'on pense. Et puis montrer aussi que tous les objets choisis dans ces 18 villes, donc en tout plus de 200 œuvres, sont toutes issues des collections françaises, qu'elles soient nationales ou régionales. Et il s'agit donc d'un héritage français de l'islam. Et enfin, nous y avons invité des artistes contemporains qui, bien sûr, abordent les questions d'aujourd'hui, qui nous semblait important aussi de véhiculer dans ces 18 expositions. Si les œuvres contemporaines présentées dans ces 18 expositions interrogent des problématiques d'aujourd'hui, les objets anciens invitent, eux, à se pencher sur les faits historiques. Leur ambition est de rappeler que la culture parle davantage de la réalité du monde que bien des discours. Il ne s'agit pas, entre les islamistes d'un côté et les islamophobes de l'autre, de développer un autre discours. Il s'agit juste de venir à une réalité historique objective. On a tellement pris l'habitude de se laisser entraîner les uns et les autres dans le choc des civilisations que l'on oublie simplement la réalité historique. Ça ne veut pas dire que dans notre propos, on nie les conflits. Il y a bien sûr eu les croisades et d'autres guerres, comme il y a eu les guerres entre catholiques et protestants dans notre monde occidental. Mais au-delà des guerres, il y a la réalité des échanges commerciaux, des échanges diplomatiques, des échanges artistiques. Et c'est cette vie-là de civilisation, de culture et d'art qui constitue, je pense, le substrat le plus important de ces deux civilisations en contact depuis 14 siècles que sont l'Occident d'un côté et l'Orient de l'autre. Notre histoire se poursuit à Saint-Denis en région parisienne. C'est l'une des villes qui présente l'exposition du Louvre sur les arts de l'islam. Le musée Paul-Éluard accueille un dispositif qui est toujours le même pour les 18 manifestations. Chaque accrochage est composé d'une dizaine d'œuvres du passé et d'une œuvre contemporaine. Elles sont introduites par une carte géographique du monde musulman et accompagnées par un film en immersion sur grand écran qui montre les monuments et les villes de l'art islamique. Enfin, un espace de débat est aménagé pour favoriser le dialogue avec les visiteurs.
Nous avons eu à cœur de montrer des objets qui mettent en lumière la diversité de ces arts de la civilisation islamique telle qu'elle a été définie par les Européens et de montrer à la fois sa très grande richesse mais d'aller aussi un peu à rebours des idées reçues, des idées préconçues que certains peuvent avoir sur ces cultures en montrant par exemple qu'il ne s'agit pas seulement d'art musulman mais que d'autres religions y ont aussi leur place, comme le montrent ces carreaux de protection divine en céramique qui étaient présentés devant des portes du quartier juif de Fès au Maroc, qui ont des inscriptions hébraïques. D'autres objets vont à rebours des idées reçues, comme des objets qui montrent des figures humaines, qu'on n'attend pas toujours quand on pense aux arts de la civilisation islamique, puisqu'on a par exemple une gouache iranienne du 19e siècle qui présente une princesse comme une ode au plaisir qui se prélasse dans un jardin, légèrement vêtue, on lui apporte du thé, du tabac. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu bousculer peut-être certaines idées reçues que les publics peuvent avoir. Les œuvres présentées peuvent relever tant du sacré que du profane. Un des objets les plus extraordinaires est très probablement cette clé de la Kaaba de la fin du XIVe ou du début du XVe siècle, qui ouvrait donc la Kaaba à la Mecque. C'est un objet extrêmement précieux que le Louvre nous a fait l'honneur de nous prêter pour cette exposition. D'autres objets relèvent du champ religieux, comme ce Coran indien du XVe siècle, qui associe deux écritures, une écriture arabe et une écriture en arabe, mais originaire de la région du Bihar en Inde, et qu'on appelle le Bihari, qui montre la manière dont les cultures ont pu cohabiter. Et ça, tu vois, oui, le petit cadre là, ouais, où il y a des couleurs. C'est comme un titre. C'est pour marquer le début d'une autre sourate. D'accord. C'est vraiment un marqueur à la fois décoratif et explicatif, du coup. C'est beau, hein. C'est magnifique, ouais. Ce qui est super intéressant ici dans le territoire de Saint-Denis, c'est que la religion musulmane est très présente. Donc dans les classes, on a des élèves qui sont eux-mêmes musulmans, qui pratiquent avec leurs parents. Et du coup, ça nous permet vraiment d'être en dialogue avec les habitants un peu d'égal à égal. Par exemple, sur l'extrait de la page du Coran, donc moi-même, je ne sais pas lire, parce que je ne sais pas lire l'arabe. On a eu plusieurs fois des enfants qui m'ont dit « mais si, moi je peux lire » et qu'on peut donc déchiffrer les mots, nous lire. Et des adultes aussi qui nous ont apporté des connaissances que nous, on ignorait. Donc en sachant que quand il y a une nouvelle expo, on est toujours, nous les médiatrices, on doit faire un travail de préparation, donc principalement bibliographie ou autre. Et là, on a eu aussi même des infos nouvelles qui sont venues des gens qui ont visité eux-mêmes. Donc ça, c'est super valorisant, c'est super enrichissant. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Moi, je sais pas ce que c'est, ça serait vos pierres. Je pense que c'est, tu vois, c'est un bout du décor qui est à l'intérieur, justement, des petites fleurs. Ah, qui sont... Oui, je vois qu'il y a des petites fleurs. Tu vois, petites... ouais. Oui, vois. Ouais. C'est vrai qu'on le voit d'ici, mais il faut vraiment se pencher, du coup. Un autre objet qui présente cette cohabitation des cultures est un poignard persan qui nous provient des collections du musée de l'armée. Un poignard du 19e avec un manche en ivoire très richement sculpté sur lequel on trouve deux inscriptions, une en arabe et l'autre en persan. Et on voit là comme ces différentes cultures vont cohabiter dans ce grand monde islamique avec une très grande diversité culturelle. Nous avons choisi une œuvre contemporaine au sein de cette sélection, qui est une œuvre de l'artiste franco-algérienne Alida Bougrier, qui s'appelle Transit. C'est une vidéo dans laquelle on voit le ciel d'Istanbul qui est parcouru par des vols d'étourneaux. Et cette image très poétique est accompagnée d'une bande-son assez plus difficile, je dirais, qui évoque notamment la vie de personnes qui ont migré, qui se retrouvent à vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc l'artiste met en lumière les différentes connotations de ce terme de migration dans la langue française. Notre histoire des arts de l'islam du passé et du présent se déploie également en bord de Seine, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Mantes-la-Jolie conjugue atmosphère rurale et quartiers populaires urbains. La ville accueille une diversité de populations qui fait sa richesse et un patrimoine historique de premier ordre. «
C'est au pied de la collégiale Notre-Dame que le musée de l'Hôtel-Dieu présente l'exposition du Louvre. Les œuvres sont très pertinentes parce qu'elles évoquent chacune différents aspects, je pense, des arts de l'islam. On a cette stèle, par exemple, qui vient d'Algérie, qui permet d'aborder toute l'histoire aussi de la calligraphie, de parler de cet art. Nous avons deux pièces d'orfèvrerie aussi, qui est un art très important également dans les arts de l'islam. Et bien sûr, plusieurs objets qui viennent d'Iran. Nous avons ici un plat de reliure qui est daté du XVIe siècle et qui servait en fait à protéger un ouvrage. Donc c'est une sorte de couverture, c'est en fait une plaque de bois sur lequel on est venu coller une feuille de papier peinte et vernie. On peut voir tout le raffinement et le style du dessin à l'époque dans la cour persane au XVIe siècle et également un petit peu le mode de vie de ces élites dans la représentation, mais également dans cet objet très précieux qui n'était pas accessible à tous. Et la deuxième partie de ce plat de reliure est conservée au musée du Louvre et on peut le voir en ce moment au musée du Louvre. Grâce à ces quatre objets, donc que sont un plat de reliure, une page d'album par exemple, on peut évoquer quand même la dynastie safavide et cet âge d'or aussi du XVIe siècle en Iran. Nous présentons ici une stèle qui provient de la Mecque. On le reconnaît par sa pierre qui est très caractéristique, c'est du basalte. On la trouve beaucoup dans la région de la Mecque. Et donc cette pierre était en fait une stèle funéraire, donc qui marquait une tombe. Et vous voyez qu'elle présente un décor en calligraphie koufique. Donc cette calligraphie qui est très angulaire encore et qui marque les premiers temps de l'islam. Et cette pierre, en fait, elle a été regravée, réutilisée un petit peu plus tard au XIVe siècle. Donc vous avez derrière une seconde inscription pour un autre défunt qui a tout simplement remployé cette pierre qui est d'une très belle qualité. Et c'est intéressant cet objet parce qu'on voit un petit peu l'évolution de l'art funéraire en islam, puisqu'au début, au tout début, on avait simplement une mention du défunt, sa date de mort et très peu d'informations. Et petit à petit, on s'attache à déjà la rendre plus décorative, mais en plus insérer des versets du Coran. Donc au Xe siècle, on n'a pas le nom du défunt précisément, on n'a pas pu le déchiffrer, mais on sait qu'il implore un petit peu la miséricorde. Et de l'autre côté, on a des versets qui évoquent le paradis. Donc ça permet de voir aussi que tous ces objets ont eu plusieurs vies, entre guillemets, qu'ils avaient une fonction déjà utilitaire et que maintenant on les présente aussi pour leur valeur artistique comme des chefs-d'œuvre sous vitrine dans les musées. Si vous regardez ici, qu'est-ce que vous voyez là? Je vais vous mettre un peu d'éclairage. La forme de... La forme de quoi? Allez-y. Un bouclier. Oui, un bouclier. En fait, c'est des armes. Et ces armes qui sont bleues et blanches, c'est les armes d'une famille italienne qui s'appelle les Soldanieri. Donc on sait exactement à qui appartenait ce chandelier, et ça donnait du prestige à sa table. Ça veut dire que des objets comme ça, ça circule dans toute l'Europe, même en Orient. C'est apporté par des commerçants. Donc au départ, le blason est laissé blanc, sans rien. Et quand il arrive en Italie, eh bien on lui donne la marque de son propriétaire. Donc on voit qu'il y a un travail extrêmement habile de la part de ces artisans orientaux de civilisation islamique. Donc ils savent travailler le métal, mais ils savent aussi sculpter la pierre. Alors regardez ici. Vous avez en fait ici une sorte de plaque commémorative, notamment qui a été placée sur une tour en Algérie pour finir les travaux de l'érection de cette tour. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui arrivent à lire des choses. Oui, Mohamed Ben Othman. Et vous pourriez traduire, par exemple, le début? Bihamdi Fatik. Donc, ça veut dire que c'est parfaitement compréhensible, mais c'est enjolivé. On a rajouté des éléments pour que ça soit encore plus élégant. Et vous voyez qu'il y a un travail assez élaboré de mise en scène et mise en composition de cette écriture, de cette calligraphie. J'ai bien aimé un verset du Coran sur un roche avec d'encre de gel. Et sur la roche, il écrit « douche » en arabe.
qui sont de doré. C'est ma maman qui m'a demandé de venir à cette exposition, mais j'avais aussi envie de venir car j'avais envie d'apprendre des choses. Et j'aime bien l'art de l'islam et y a toutes les choses que j'ai appris ici, je les connaissais pas. Ici, j'ai appris qu'il y avait un grand tapis où il y avait plein d'animaux dessus. Il y avait, si je me trompe pas, il y avait des lapins, plein d'autres animaux. Et j'ai envie d'en parler à mes copains, ma famille et plein d'autres personnes. Et de leur dire de venir ici pour qu'ils apprennent plein de choses comme moi. Et j'ai bien aimé. Le retour de ces jeunes est vraiment intéressant. Pour beaucoup qui sont issus d'une famille avec des origines maghrébines ou qui sont eux-mêmes musulmans, plus ou moins pratiquants, c'était très intéressant de voir leur regard sur ces objets. Beaucoup ont appris des choses et ont découvert certains aspects de la civilisation islamique qu'ils ne connaissaient pas. J'ai su que cette exposition existait parce qu'il y avait plusieurs publicités dans la ville et dans le journal local. Et j'ai décidé de venir parce que je suis marocaine en fait. Et je voulais en savoir plus un peu sur ma culture, voilà, au niveau des arts, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses dans cette exposition, déjà historiquement parlant. Et au niveau des arts, par exemple... pour les codes, quand il s'agit de représentations humaines, ce genre de choses, et c'était très intéressant à regarder et à écouter. Ça m'intéressait de voir ici. C'est très intéressant de voir aussi d'autres cultures et de voir d'autres projets aussi. Comment ça a été créé, comment c'est venu, de quelle ville ça vient, comment ils ont fait les documents, comment ils ont construit les objets. Ça, c'est intéressant. Alors à partir de cette exposition, on a prévu toute une programmation culturelle en partenariat avec d'autres services de la ville. Donc nous avons participé à la nuit de la lecture le 21 janvier avec un spectacle qui a été mis en scène par une artiste danseuse. Nous avons aussi un calligraphe qui va venir parler de son travail. Et plus particulièrement, on a travaillé encore davantage avec la mosquée de Mantes. On organisait déjà des visites de la mosquée pour les journées du patrimoine, pour d'autres événements, mais c'était beaucoup plus ponctuel parce qu'évidemment, c'est compliqué de s'organiser avec un lieu de culte en exercice. Et là, ça a été l'occasion de proposer une conférence justement sur cette architecture et d'autres visites. Nous quittons Mantes-la-Jolie, mais nous restons en bord de Seine. Notre voyage nous mène jusqu'à Rouen, capitale de la Normandie. La cité portuaire a choisi de présenter la manifestation du Louvre en centre-ville, au sein de son musée de la céramique. Ici comme ailleurs, les objets, anciens ou modernes, disent la diversité culturelle et religieuse du monde musulman. Des œuvres qui soulignent aussi combien la civilisation islamique est marquée depuis 14 siècles par le mélange des idées et des hommes qui ont circulé de la Chine à la Méditerranée et de la Malaisie à l'Afrique de l'Ouest. Depuis le début de l'exposition, nous assistons véritablement à une diversification de nos publics, un public plus jeune, un public plus familial, qui se retrouve aussi dans les collections qu'il découvre et les objets que nous lui proposons. Nous avons également assisté à une hausse très sensible de la fréquentation du musée de la céramique. Et pour nous, c'est important aussi parce que beaucoup de publics et de nouveaux publics viennent découvrir l'exposition et en profitent également pour découvrir le reste des collections. Cette exposition nous permet aussi de mettre en valeur le patrimoine rouennais islamique. Et en particulier, nous présentons dans le cadre de cette exposition deux manuscrits, dont l'un très important, qui est une copie de la Perle des Merveilles d'Ibn al-Wardi, qui présente une vision du monde et qui traite également des sciences et de la cosmographie arabe. Cette exposition, c'est une opportunité inespérée pour travailler avec un public extrêmement large, dans la mesure où elle nous fait le récit d'un pan de l'histoire, des civilisations, des arts, des techniques et d'un tas d'autres connaissances qui sont beaucoup trop souvent méconnues. On a une chronologie qui permet d'ancrer les manifestations présentes de l'islam ou les préoccupations qu'on peut avoir aujourd'hui dans une histoire qui dépasse largement la façon dont le récit très
morcelé, très parcellé, peut-être étriqué, peut être présenté aujourd'hui. Donc là, ce propos permet d'ancrer nos connaissances, nos perceptions ou les bribes de culture islamique dont on peut être porteur les uns et les autres. Ces objets, qu'ils soient d'islam, j'ai presque envie de dire, c'est anecdotique. Ce sont des objets d'art comme les autres et les gens s'y retrouvent. Le musée est aussi là pour ça. C'est aussi un lieu de découverte de soi. Les gens arrivent à projeter une partie de leur histoire, de leurs souvenirs et ont envie de le partager. Et ça, c'est assez joli de voir que les gens ont ce réflexe de se rapprocher tout de suite de la vitrine pour justement montrer les détails, parler des objets entre eux, discuter. On a deux objets en plus sur lesquels des mots sont écrits en langue arabe. Donc là, c'est absolument parfait. On voit les petits enfants de 3-4 ans qui apprennent à lire et à écrire et qui s'entraînent justement sur la première sourate que nous avons ou sur une carte géographique avec les points cardinaux et les noms des grandes villes. Donc voilà, il y a vraiment de la place pour tous ces publics et surtout qu'ils communiquent entre eux. C'est peut-être l'avantage que le lieu soit petit. Quand une remarque est faite, tout le monde l'entend et donc il y a très vite discussion qui va être faite sans que nous, médiateurs, sans que nous, les guides, nous soyons là pour aiguiller ou pour ajouter des informations sur les objets et pour aider, dirons-nous, les gens. Changement de cap, nous remontons dans les Hauts-de-France. Notre histoire des arts de l'islam s'incarne ici à Tourcoing, une ville qui s'est développée grâce à l'apport de travailleurs venus de tous les continents. Une population pour laquelle la ville est engagée depuis de nombreuses années, en organisant notamment des manifestations culturelles d'envergure. Très heureux de pouvoir accueillir l'exposition Les Arts de l'Islam à Tourcoing. Depuis 5 ans, nous avons dans notre ancienne école de natation la première antenne décentralisée de l'Institut du monde arabe Paris, avec donc l'antenne Institut du monde arabe Tourcoing, région Hauts-de-France. En 2018, nous avons accueilli au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, le MUBA Eugène Leroy, l'exposition Chrétien d'Orient, 2000 ans d'histoire. Il nous apparaissait très cohérent et ambitieux sur le plan culturel et humain d'accueillir cette exposition Les Arts de l'Islam à Tourcoing. Tourcoing, en tant que ville industrielle, est une ville d'immigration, donc une forte immigration issue du Maghreb qui a travaillé notamment dans le textile, principalement donc d'Algérie, puis ensuite du Maroc, d'Afrique subsaharienne et plus récemment donc de Turquie. Beaucoup de musulmans ici à Tourcoing ne sont pas forcément conscients de ces différents apports et de ces échanges qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle, où se développe, pour reprendre le mot de Maxime Rodinson, une véritable fascination de l'islam. L'opération élaborée par le Louvre s'est appuyée sur un partenariat avec l'Éducation nationale. Ainsi, de nombreuses classes visitent chaque jour les expositions dans les 18 villes. Alors, c'est important pour les élèves d'avoir ce genre d'exposition dans la mesure où ça présente l'ensemble de la civilisation musulmane, mais surtout montrer qu'il y a une diversité dans le monde musulman, en particulier les différentes formes d'islam, les différentes architectures, les différents arts, puisque ici dans l'exposition, vous avez différents types d'art et surtout montrer que le monde musulman, ce n'est pas un monde clos, puisqu'il y a des objets qui viennent par exemple de Russie, qui n'est pas un monde musulman, du moins à l'époque. La civilisation islamique d'une manière générale, ou les civilisations islamiques d'une manière générale, se sont développées de manière extrêmement diverse, selon les espaces géographiques, selon les pouvoirs, selon les personnes, selon les populations. Et c'est intéressant de travailler sur cette richesse-là et de montrer que finalement, nous partageons une histoire commune, nous avons construit une histoire commune. Il est important que, par exemple, des élèves se reconnaissent dans ce passé qui a aussi influencé la civilisation de notre pays, la civilisation occidentale, et ne serait-ce que pour susciter le sentiment d'adhésion de ces populations issues de l'immigration à l'histoire de France et de construire avec la France le récit national. Une classe du lycée Colbert de Tourcoing est attendue cet après-midi-là à la Maison Folie, un lieu d'échange culturel qui accueille les arts de l'islam au cœur d'une ancienne chapelle désacralisée. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici ? Des instruments de musique. Oui, des instruments de musique. Alors, à votre avis, c'est dans quel pays ? Partie du monde ? D'après les arbres, là, ils ont perdu toutes leurs feuilles. Donc, c'est-à-dire c'est dans le nord, alors ? Alors oui, c'est plutôt dans l'hémisphère nord. Déjà, ça nous donne une première sensation dans ce tableau. Les élèves font ce qu'on appelle un carnet de lecteurs.
qui est un endroit où je leur demande de consigner leur lecture, mais aussi leur confrontation avec une pièce de théâtre ou, pour le coup, une exposition. Et j'espère qu'ils vont se servir de ce moment pour dessiner, écrire quelques mots en rapport avec ce qu'ils viennent de voir. Et simplement, voilà, de manière sensible, laisser résonner en eux l'exposition. Alors ici, c'est un reliquaire qui était dans l'abbaye de Saint-Riquier. C'est une commande aux Égyptiens par l'abbaye de Saint-Riquier qui veut se constituer un trésor. Donc c'est une petite boîte qui a été récupérée au XIIIe siècle, parce qu'au XIIIe siècle, il y a eu les croisades juste avant. Et là, tout l'Occident a découvert le talent et la richesse de l'art islamique, en fait. Je vais certainement organiser en classe, quand on rentrera dans les jours qui viennent, un échange spontané, une fois qu'ils auront terminé la page consacrée dans leur carnet de lecteurs, simplement pour qu'ils puissent partager leurs impressions, parce que c'est vraiment ce qui est intéressant. Quand des jeunes qui ont des expériences différentes, qui ont des cultures différentes et qui ont donc des histoires, un rapport à l'art différent, peuvent confronter leurs émotions. Ce qui m'a surpris dans l'exposition, c'est la disposition des objets dans le monde qui viennent de différents endroits et d'un grand territoire. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a donné envie d'en voir un peu plus sur la civilisation islamique et ça m'a intéressé. Cette exposition, c'est une opportunité de découvrir un patrimoine issu des collections que nous avons en région. Et c'est par exemple deux manuscrits magnifiques qui nous ont été prêtés par la Bibliothèque universitaire de Lille. Et c'est une vraie opportunité pour le public de découvrir ces œuvres qui n'ont quasiment jamais été montrées. C'est aussi de développer fortement des programmations diverses autour de ces objets. Ça va être des concerts, ça va être de la danse. On a reçu dernièrement une danseuse soufie tout un week-end pour des prestations dansées, mais aussi des ateliers avec différentes classes des écoles de la ville. Ça va être des ateliers autour de la calligraphie. Ça va être des conférences avec des intervenants qui nous viennent de toute la France sur des thématiques comme art de l'islam et église. Et donc on a tout au long de l'exposition qui dure jusqu'à fin mars, toutes les semaines, des programmations très très variées autour de ces objets qu'on montre à voir. Depuis un mois et demi et l'ouverture de l'exposition, on a été très agréablement surpris de l'accueil qu'a réservé le public à cette exposition. On a un vrai lien qui se crée entre les objets et la population, puisqu'on a beaucoup de retours en fait de personnes qui connaissent ces objets dans leur quotidien, dans des pratiques, dans des cérémonies auxquelles ils ont déjà pu assister. Et donc on a beaucoup de retours en fait sur ces souvenirs très personnels qu'ont les gens avec ces objets. Donc c'est très enrichissant pour toutes nos équipes d'à chaque fois pouvoir échanger avec le public sur ce lien vraiment très, très familier avec l'ensemble des objets présentés. Finalement, cette civilisation, elle s'est construite avec le voyage, avec le partage, le métissage aussi, et de plus en plus ces dernières années. J'aurais cité, il y a un académicien qui s'appelle Amin Malouf qui dit dans un ouvrage qui s'appelle « Les identités meurtrières », il dit « C'est notre regard qui enferme les autres dans leur plus petite identité, mais c'est aussi notre regard qui peut les en libérer. » L'exposition organisée dans 18 villes est déjà un succès. La presse internationale en a largement rendu compte sur les 5 continents. Plusieurs pays envisagent de reproduire le dispositif mis en place par le Louvre en s'appuyant sur leur propre collection d'art de l'islam. Cette histoire va donc connaître une seconde vie sous d'autres cieux.